Rebonsoir à toutes et rebonsoir à tous. Voilà, bienvenue dans l'émission de notre ami Kate Verrept, l'arbre aux étoiles, qui a pour but de vous parler un petit peu de transgénérationnel, de psychogénéalogie et des tarots. Voilà, avec tout ça, comme je le dis, elle fait un petit mélange et puis elle vous sort des choses inouïes. Voilà, donc j'ai le plaisir de l'accueillir une fois de plus sur... sur notre LTU radio, on va dire. Voilà. Comment vas-tu, Kate ? Eh bien, écoute, ça va, ça va. Ça va bien ? Heureuse d'être avec vous. Ben oui, une fois de plus, comme on dit. Mmh. Voilà, c'est bien. Voilà, j'ai vu que tu avais quelqu'un que tu aimais beaucoup qui passe ce soir, apparemment. Et oui. Voilà, c'est oui, super. Oui. Notre amie québécoise. Oui. De voilà. La belle province. Québécoise, voilà. Donc elle passera en troisième, je crois. Si... D'accord. Ouais, je crois que c'est ça. Mm-hmm. Voilà. Alors, oui. Alors, tiens, j'ai reçu un petit mot de Brigitte tout à l'heure. Là, de Brigitte, tu es la maligne. À savoir que Cindy a perdu son chat. Donc, voilà, si on pouvait envoyer des petites pensées positives à Cindy, voilà, pour D'accord. qu'elle se sente un petit peu mieux, parce que voilà, elle aime beaucoup les animaux, et notamment son mm-hmm. son chat Mélo. Et voilà, donc une petite pensée pour elle et son chat, quoi. Voilà. D'accord. Et des gros bisous. Mm. Voilà, on va s'écouter une première chanson. Le temps oui, que, et j'appelle. On commence par qui alors ? Alors, on va commencer par le début. Ça, c'est pour déconner un peu. C'est logique. Oui, je crois, oui. Alors, on va... Ça facilite les choses en général. Carole. Ça te dit ? D'accord. Voilà. Donc je prépare pour Carole. Voilà. Moi j'avais une copine dans le temps, elle s'appelait Carole et puis elle me disait toujours, ouais Carole, pas de bol. Elle disait toujours ça, c'était marrant. Mmh. Voilà. Allez, trop tard de Palmas et puis Carole de suite après. Tout de suite. Rendez-vous tous les jeudis à partir de 21h sur ltu-radio.fr pour votre émission Au-delà des mots. L'émission où j'ai le plaisir d'accueillir des médiums et des thérapeutes. Je vous donne donc rendez-vous jeudi prochain. Salut! Et donc, jeudi, nous aurons le plaisir de recevoir... une personne qui s'occupe d'une association du côté de Montpellier, une association d'aide au deuil. Il s'agit de Christine, je crois que ça s'appelle l'Envol d'un ange, l'association, il me semble. Christine Rousseau, voilà, elle va venir nous passer justement de ce que je parlais tout à l'heure, comme quoi il n'y en a pas les 50 000, hein, du passage de l'âme, voilà, les médiums, et elle s'occupe également donc de son association sur Montpellier. Voilà, donc si vous habitez par là-bas, je vous invite à vous rapprocher d'elle et de vous inscrire ou de participer à ses conférences. Moi, j'y serai en début d'année prochaine. Là, on fera une médiumnité ensemble. Voilà. On retrouve Kate et la première invitée, Carole. Allô, allô, allô. Oui, bonsoir, Carole. Tout le monde. Voilà, je vais vous laisser toutes les deux. D'accord, merci. À tout à l'heure. Au revoir. Alors, bonsoir Carole. Bonsoir. Petite vérification, 22 septembre 68 ? C'est ça. 8h du matin ? À peu près, un dimanche, oui. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ce thème du point de vue de la psychogénéalogie ? Donc, dans la maison 4, qui est la maison des origines, des transmissions, du nom, des racines, etc., cette maison est vide. Donc, pas de problématique a priori dans ce domaine. Dans la maison 8, qui représente les crises vécues par les ancêtres, mais aussi tous les tabous, on retrouve la lune noire. Donc, je réexpliquerai ce que c'est que la lune noire, mais c'est un élément un peu assez important. Et puis, dans la maison 12, qui est la maison des mémoires, enfin, c'est à la fois la maison de,
de la grossesse, donc tout ce que la famille a pu projeter sur le bébé à venir, et puis toutes les mémoires enfouies, les choses qu'on se transmet de génération en génération sans même s'en rendre compte. Et là, il y a du monde dans cette maison-là. Ouais, ce serait possible. Voilà. Donc, il y a trois éléments importants, puisqu'il y a la lune et le soleil. Hein, donc, la lune et le soleil sont complémentaires. Le soleil, c'est notre essence profonde. C'est ce qui se voit, c'est ce qui est, on pourrait dire, le côté de l'énergie plutôt masculine en nous. Alors que la lune, c'est plus ce qui enfouit, ce qui est en lien avec l'inconscient, nos émotions, nos besoins oui, de sécurité, les mémoires aussi. Donc, il serait plus le côté de l'énergie féminine. C'est en lien avec Uranus, qui est quand même une planète assez forte, qui vient en général bien bousculer, qui fait rien comme les autres, qui aime pas entrer dans des schémas préconçus. Voilà, donc on a déjà ce trio. Et puis, on a aussi le nœud sud, qui est un aspect karmique. On a juste à côté, même si c'est pas dans la même maison, mais vraiment tout à côté, Jupiter et Pluton. Pluton, c'est ce qui va venir secouer en profondeur. Uranus, quand ça secoue, ça se voit. Pluton, c'est plutôt à l'intérieur. Ça peut détruire très lentement, alors que Uranus, c'est plutôt des raz-de-marée, des tremblements de terre. Puis ça se manifeste à l'extérieur, alors que Pluton, c'est plutôt vraiment dedans. Et il y a Jupiter qui représente le rapport au groupe social, la loi du père, dans ce qu'elle elle nous permet d'intégrer le groupe social. Alors, ça fait beaucoup d'informations que je vous donne là d'un seul coup, mais effectivement, cette partie-là de votre thème, elle est extrêmement chargée. Ce qui laisse supposer qu'effectivement, les ancêtres, ils ont projeté sur vous énormément de choses. C'est-à-dire toute la famille, alors je ne sais pas dans quelles conditions vous êtes arrivés, si vous êtes à l'intérieur d'une fratrie, si vous étiez l'aîné, à quel moment de l'histoire de vos parents ou grands-parents vous êtes arrivé, mais visiblement, on vous a mis un sacré paquet sur les épaules. Est-ce que ça vous parle, ça ? On peut dire ça. Après, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut que je réponde à tout ça. Qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je ne dois pas dire ? Déjà, est-ce que vous avez des frères et sœurs ? Oui. Voilà. Et vous êtes combien dans... Vous êtes l'aîné ? Non, je suis la quatrième et on est à 8. 8, donc la quatrième. Des filles, des garçons ? Des filles. Que des filles ? Non, on est... attendez, excusez-moi. 5 filles et 3 garçons. Ouais. Et il y avait... Et ceux qui étaient avant vous, c'était des garçons ou des filles ? Alors, il y a eu un garçon, une fille et moi. D'accord. Donc, vous étiez la deuxième fille. Alors, qu'est-ce qui s'est... Après, ce sera à vous de creuser. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là dans l'histoire de la famille ? C'était à quel moment de... Est-ce que c'était un moment particulier pour vos parents ? Est-ce qu'à ce moment-là, ils ont vécu des choses particulières ? Dans leur vie personnelle, dans leur vie professionnelle ou au niveau des grands-parents. Je peux très bien être un accident aussi, hein. Oui, mais ça, c'est pas ça. Un accident, c'est entre guillemets, ça n'a pas cet impact-là dans le thème. C'est-à-dire que c'est vraiment comme si on vous avait déposé toute l'histoire de la famille. Donc, ça sous-entend que vous êtes arrivé à un moment particulier de l'histoire de cette famille. Vu le contexte, oui, c'est vrai ce que vous dites. Ouais.
On peut dire Voilà. ça, oui. Donc, en fait, le contexte a fait que un enfant qui arrivait à ce moment-là, on y a. Parce que ce contexte, il n'était pas, comment dire, isolé. C'est-à-dire, c'est probablement un contexte qui se reproduit, qui était de la reproduction de choses qui s'étaient déjà passées dans les générations précédentes. Et du coup, l'enfant que vous étiez, qui est arrivé à ce moment-là, il a réactivé tout ça et on lui a redéposé tout le paquet. Sans inconsciemment, hein, parce que c'est pas. Les gens n'ont pas Mais forcément c'est vrai ce que vous dites, souhaité. mais disons que je ne suis pas allée jusqu'au bout. J'ai eu un peu plus d'intelligence. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire, je suis pas allée jusqu'au bout? Ben, disons que c'est comme vous dites, c'est des choses qui se sont reproduites. Et Oui. ben, comme j'ai pu voir et le vivre, oui, il y a des choses qui sont reproduites. J'ai reproduit certaines choses, mais je ne suis pas Oui. allée au bout de ce que ma mère a pu faire, voilà. D'accord, ok. J'ai été Donc, plus intelligente. voilà. Donc, en fait, vous vous êtes appuyé sur Uranus, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. Uranus, c'est la planète qui n'accepte pas de rentrer dans des cadres préconçus. C'est le révolutionnaire, celui qui vient donner un coup de pied dans la fourmilière. Hein. Alors, qu'est-ce que vous avez comme question par rapport à tout ça? Je sais pas. Oui. Je sais pas parce que je connaissais pas du tout votre émission. Après, j'écoute tout ce que vous me dites et puis il y a des choses qui se rapportent. Donc du coup, je sais pas. Je sais pas quoi vous dire. En fait, l'objectif de cette émission, c'est de voir dans votre thème si on peut faire un lien entre ce qui vous arrive dans votre vie, et plus particulièrement les problèmes ou les situations, vous savez, qui se reproduisent toujours, tous les schémas on a l'impression qu'on reproduit toujours le même scénario, ou qu'on rencontre toujours le même type de personne ou le même type de difficulté, et de savoir si ça a un lien avec vos ancêtres. Donc déjà, vous vous avez dit, il y a des comportements que vous avez subis, que vous avez vus, que vous n'avez pas reproduits, en tout cas pas en totalité. Donc ça déjà, c'est que vous y avez effectivement une emprise sur vous de cette histoire, mais que vous avez déjà su mettre un stop et ne pas, comme vous avez dit très justement, ne pas, vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Non, Maintenant, est-ce qu'il effectivement. y a d'autres problèmes ou d'autres situations dans votre vie dont vous avez l'impression que ça n'a pas vraiment de logique dans votre histoire ou que vous avez beau faire tout ce que vous voulez, ça revient toujours Le comme fait de s'accrocher, enfin, après je sais pas si c'est un rapport, mais le fait de s'accrocher aux gens et de ne plus pouvoir s'en défaire, ça vient d'où ça? Alors, quand vous dites s'accrocher aux gens, Aimer les gens à la folie, voilà, on peut dire que c'est le moulin, oui. et c'est impossible, malgré la souffrance qui est grande, ne pas du tout arriver à s'en défaire. Alors est-ce que j'aime souffrir? Je sais pas. Est-ce qu'il y a un rapport avec tout ça? Je sais pas. C'est-à-dire que vous entretenez des relations passionnelles et fusionnelles avec les gens, et quand vous vous rendez compte que c'est mauvais pour vous, vous n'arrivez pas à rompre la relation, c'est ça? Voilà, c'est ça. Mais c'est possible hein, que c'est écrit. En fait, il y a un tel poids, si vous voulez, quand il y a un tel poids qui est mis sur un enfant, ce qu'on appelle l'héritier hein, dans la psychogénéalogie, on est tous des héritiers puisqu'on a tous des parents, on hérite au moins d'un patrimoine génétique. Hein. Même si on ne connaît pas nos parents, on est constitué au moins d'une partie de leur gène. Donc on a tous un héritage, mais on le porte, enfin, on nous donne plus ou moins des grosses valises. Or, vous, avec ce qui apparaît là, c'est qu'on vous a donné des énormes valises. Et du coup,
Quand on désigne inconsciemment, quand il y a un choix qui est fait sur une personne, un enfant de la famille et qu'on va lui déposer tout l'héritage, ça crée un lien très très fort, très finalement très passionnel et très fusionnel. Parce que finalement, la famille, c'est un système. Et quand il y a des histoires difficiles dans la famille, ce système, pour ne pas qu'il éclate, en fait, c'est comme si on demandait à quelqu'un de porter les valises pour tout le monde, pour que chacun puisse vivre à peu près sa vie et que le système n'éclate pas, qu'on reste dans cette fusion. Donc, ça reste la personne qui porte toutes ses valises. C'est comme si elle avait un aimant, quoi. C'est qu'on s'accroche à elle et tout le système repose sur sa fidélité, sa loyauté à cette histoire. Donc, du coup, cette façon que vous avez de vous impliquer de façon très forte dans vos relations, même si effectivement elles sont difficiles, est-ce que c'est pas une façon de reproduire à l'extérieur le contexte familial que vous avez à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Bah, disons que oui, bien sûr, le manque que j'ai pu avoir, c'est ça? Ben, c'est au-delà du manque, c'est-à-dire que c'est un système énergétique, la famille et les transmissions familiales. Et du coup, il y a une telle emprise de l'histoire familiale sur vous, que ça en est une histoire passionnelle de on doit se tenir ensemble, même si ça fait souffrir, parce que sinon la famille va éclater, et que du coup vous vous mettez cette histoire-là en action dans votre vie, parce que c'est à l'intérieur de vous que ça se passe, Oui, mais c'est un ce petit peu lien avec dommage la parce famille. que, excusez-moi de vous couper, Oui. parce que je ne suis pas la seule à souffrir. Oui, c'est tout le Je suis système pas qui la seule qui dysfonctionne. souffre dans cette histoire. Voilà. Hein, c'est tout le système qui souffre, mais ce système qui est très fusionnel, très passionnel, même dans la souffrance, vous ne pouvez pas vous empêcher que de le mettre en place aussi dans votre vie à vous. Et cette histoire de reproduire ça à chaque génération, ça s'arrêtera quand? Comment faire pour l'arrêter? Il faut faire un travail en énergétique pour rompre ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment nettoyer à l'intérieur de vous, au niveau émotionnel, psychologique, énergétique, jusque dans l'ADN, parce qu'on sait maintenant que les transmissions s'inscrivent même dans l'ADN, pour déprogrammer. C'est comme un ordinateur qui a un virus. Bah, il faut aller nettoyer le disque dur pour enlever le virus. Mais qui c'est qui nous a infligé ce virus? Ben comment dire, c'est l'histoire des ancêtres et c'est des phénomènes inconscients, c'est-à-dire que, Ah oui, quand alors vous ça dites serait c'est long dans à l'ADN, oui, expliquer, hein, parce qu'il y a de quoi écrire, il y a des bouquins de 300 pages qui expliquent la procédure, comment psychiquement ça se met en place à l'insu des personnes. C'est tout un processus inconscient. c'est fou quand même, hein. Ouais. Ouais, que dire? Mais tout part à l'origine d'un traumatisme qui n'a pas été résolu. Et du coup, toute la charge émotionnelle et énergétique autour de ce traumatisme va se transmettre de De génération en génération en génération, génération. même quand les gens ne se sont pas connus. C'est dingue, ça. Ouais. C'est incroyable. Et comme c'est effectivement inconscient, pour aller le sans déjà en prendre conscience et après le défaire, c'est vrai que c'est pas facile, mais c'est possible. Mais il faut vraiment travailler en profondeur à tous les niveaux, psychologique, émotionnel, énergétique, cellulaire. C'est un gros, gros travail de nettoyage. Oui, bah oui.
Mais c'est dingue quand même, vous êtes quand même tombé sur, on va dire, comment que sur ma vie, quoi. C'est fou, voilà. Ça parle de ma vie, en fait. Ouais. Alors, si ça peut vous aider effectivement à comprendre qu'il y a des choses lourdes dans votre vie qui vous arrivent, non pas parce que vous êtes une mauvaise personne ou une personne qui ne sait pas se débrouiller ou qui... Non, c'est un poids que vous portez. C'est une histoire qui ne vous appartient pas. D'accord. C'est pas vous qui allez pas bien. C'est le programme qu'on a mis en vous. Donc il faut que moi je les active. Voilà. Ouais, mais par rapport aux fautes que j'ai pu commettre, elles sont là, elles sont faites, ces fautes. Donc comment que je peux faire pour les réparer, ces fautes? Alors, tout le monde commet des erreurs. Oui, on n'est pas parfait de toute façon. Voilà, on n'est pas parfait. Après, est-ce que vous les avez faites intentionnellement ou parce que vous ne pouviez pas faire autrement ou parce que vous ne saviez pas faire autrement? Non, c'était inconsciemment. Voilà. Non, franchement, c'était inconsciemment. Mais malheureusement, je m'en suis aperçue des années plus tard. Oui. Et j'ai payé quand même ma faute. Hein. Je trouve que je l'ai payé très cher. Après, voilà, c'est peut-être un mal pour un bien, parce que depuis, ben, ça va. Oui. Mais non, c'était inconsciemment. Voilà. Donc, à partir du moment où vous n'avez pas fait les choses involontairement... Non, après, non, non. Je veux dire, on n'est pas parfait, on a des épreuves à vivre. Et puis, vous savez, il faut se dire aussi que... alors, ça ne veut pas dire qu'il faut s'en foutre, je fais du mal à quelqu'un et puis j'en ai rien à faire et c'est son problème, c'est plus le mien. Hein, c'est pas ça que je veux dire. Il faut assumer la responsabilité aussi de ce qu'on fait et puis s'en Oui, servir pour voilà, avancer et réfléchir. Mais on ne rencontre pas les personnes par hasard. C'est-à-dire que quand on a un scénario, on a en nous un type de scénario à jouer, on va attirer à nous les personnes qui sont en miroir avec ça et qui ont elles-mêmes quelque chose à venir jouer. Donc cette personne, après, elle a aussi elle-même, si vous avez blessé quelqu'un et que vous ne l'avez pas fait intentionnellement parce que vous étiez prise dans un scénario que vous compreniez à une époque dont vous n'aviez même pas conscience, la personne que vous avez eue en face de vous, elle avait elle-même besoin d'entrer dans ce scénario pour comprendre elle aussi comment elle fonctionne et quelle est son histoire. Ben, le problème, c'est que cette personne ne comprend rien de la vie. Ben oui, mais après, ce n'est pas de votre responsabilité. Hein. Vous avez compris les choses, vous avancez sur votre chemin. Après, vous ne pouvez pas porter le monde entier. Et... Voilà. Non, c'est sûr. Hein? Je ne suis pas un robot, je suis un être humain. Hein. Voilà, et puis vous n'avez pas non plus, vous avez assez à porter sur vos épaules, vous n'avez pas porté en plus les valises des autres. Non, c'est clair. Hein? Donc effectivement, si vous n'avez pas fait les choses intentionnellement, que voilà, c'est à ce moment-là vous ne pouviez pas et vous ne saviez pas faire autrement, mais que vous en avez pris conscience et que vous savez, vous assumez la responsabilité de ça et qu'aujourd'hui vous essayez de faire autrement. Après, c'est l'histoire de l'autre. Hein? Eh ben. Voilà, Carole. Ben, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, Carole. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, merci à vous bientôt, aussi. Peut-être, hein? D'accord. Super. Alors, je vous dis au revoir. Au revoir, Carole. Bonne fin de soirée. Au revoir, Carole. Merci à vous aussi. À bientôt. Au revoir, à bientôt. À bientôt, au revoir. Ouais, elle avait une petite voix, ça c'était de loin. Oui. Je me suis demandé si c'était... En fait, c'est Saline qui doit déconner. Peut-être, mais bon, moi je l'ai bien entendu. Voilà, c'était clair quand même, on entendait bien. Oui.
Alors, on s'écoute Angoune et Florent Pagny, Nos vies parallèles. Oui, et puis du Et coup après après, c'est ce sera au tour de Laure. Laure. Laure que je crois que tu l'as déjà eu, il me semble. On Oui. va voir avec elle. Alors. Voilà. Alors, Nos vies parallèles, Florent Pagny et Angoune, et puis Laure de suite après. Rendez-vous tous les jeudis à partir de 21h sur ltu-radio.fr pour votre émission Au-delà des mots. L'émission, j'ai le plaisir d'accueillir des médiums et des thérapeutes. Je vous donne donc rendez-vous jeudi prochain. Salut! Voilà, et donc, comme je vous l'ai dit dans la première émission, jeudi prochain, nous accueillerons quelqu'un qui s'occupe d'une association d'aide au deuil du côté de Montpellier. Il s'agit de Christine Rousseau, qui est elle-même médium, donc voilà, et officie dans cette association. Voilà, et elle nous donne rendez-vous jeudi prochain pour nous parler du passage de l'âme. Voilà, bah, j'en profite pour vous donner aussi le programme de vendredi. Donc là, nous accueillerons Michel Guenier, voilà, qui notamment avait rendez-vous avec nous vendredi dernier, pardon. Et j'ai pas pu le recevoir parce que j'étais trop 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 fatigué suite à mon voyage du côté de Marseille. Et donc il a gentiment accepté de reporter son émission à vendredi prochain. Donc voilà. Donc on aura le plaisir de l'accueillir et il viendra lui nous parler de la loi de l'attraction. Voilà. Alors on retrouve Kate. Et Oui. la deuxième personne, Laure. Allô, Oui. allô. Coucou Jeff. Coucou Ça va Kate. alors? Ça va, ça Alors, va. oui, alors je vais te Ça laisser avec, va, je te laisse avec Laure? Ça Kate. va. Ok, Alors, Jeff, à tout à l'heure, merci. Laure, j'ai une petite question. Oui. Parce que, comment? Je tiens un fichier Excel où je note les coordonnées des personnes qui s'inscrivent pour qu'on s'y retrouve avec Jeff de qui est passé, qui n'est pas passé. Donc, quand j'ai Oui. voulu inscrire vos coordonnées, j'ai eu un signal que j'avais déjà les coordonnées. Et du coup, je me suis Oui. rendu compte que vous étiez passé le 3 novembre 2015. Ça fait juste un an. Ah d'accord. Je savais pas que ça faisait enfin que c'était je sais que j'étais déjà passée avec vous, Oui. mais je savais pas que ça faisait enfin un an quoi. Voilà, alors, que ça se C'est bien, fasse un an ou je suis dans six les mois, constantes. c'est pas. Non, non, mais que ça fasse un mois ou six, un an ou six mois, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que, en fait, dans les émissions, je travaille sur le thème natal de naissance. Et Oui. je vois dans votre thème, enfin, j'essaie de voir avec vous ce qu'on peut relever dans le thème de naissance. Les aspects de psychogénéalogie. Mais une fois que je l'ai fait, je ne peux pas le faire deux fois. Alors, qu'est-ce que vous Ouais. cherchiez en vous réinscrivant? Alors, comme vous avez dit tout à l'heure que c'était, en fait, si vous voulez, l'an dernier, je vous ai appelé pour un entre guillemets, un problème spécifique, et cette année, c'est pour autre chose, en fait. Donc, c'était pour voir si la psychogénéalogie pouvait mettre un éclairage sur ce que je vis à l'heure actuelle, qui n'était pas ce que je vivais il y a un an, ou voilà. D'accord. Donc du coup, je n'avais pas re-rentré les coordonnées dans mon logiciel d'astro, donc je vais les remettre. Alors, donc, je... Ça va aller très vite, hein, il n'y a pas de... Hop. Voilà. On va changer ça et on va regarder. Alors.
Donc, du coup, j'en profite pour vérifier le 16 novembre. Il y a aussi le fait que je vais bientôt rentrer dans une nouvelle année et que je voulais voir s'il y 16. avait des enjeux particuliers. Alors ça, par contre, c'est plus difficile pour moi parce que ça demande, enfin, plus difficile. C'est pas que c'est compliqué pour moi de le faire, mais si je le sais pas à l'avance, parce que ça demande des calculs un peu plus compliqués, ça. D'accord. Donc, si je le sais pas à l'avance, D'accord. parce que du coup, on sort de la psychogénéalogie, ça rentre dans la consultation d'astrologie traditionnelle. D'accord. C'est des calculs spécifiques. Je regarderai hein, si je vois des choses, mais je peux, sans les calculs, je peux passer à côté de quelque chose d'important qui serait un petit peu caché. Voilà. Alors, qu'est-ce qui m'a fait? Je vais un peu plus vite que mon logiciel, donc il n'est pas très content. Alors. Voilà. 16 novembre 84, 14h45, c'est bon, je ne me suis pas trompée. Alors, du coup, sur quel sujet on voulait se pencher aujourd'hui? Professionnel. Le professionnel? Ouais. Alors, le professionnel, on a une superbe conjonction Jupiter-Vénus. Donc ça, c'est la chance. Ouais. Voilà, ça, c'est la chance. Par contre, comme c'est aussi en lien avec Neptune, ça peut être très fluctuant. C'est-à-dire que ça peut vraiment être des gros coups de chance ou alors des choses qui paraissent être fabuleuses, mais qui après s'avèrent être des illusions. Ouais. Donc, ça en Sagittaire et Capricorne, donc ça quand même, la vocation, elle est quand même liée à prendre des responsabilités. Hein. On ne peut pas se permettre d'être en bas de la hiérarchie avec une configuration comme ça. Ouais, ben c'est un peu mon souci, c'est-à-dire que je trouve un peu que des boulots pas en bas, mais disons ouais, en bas quand même, quoi. Et là, ça me fait tilt parce que à 2 ans d'intervalle, je me retrouve professionnellement dans la même situation et j'en viens à développer des pathologies intestinales. Qui me font dire ton corps dit stop. Mais du coup, comme j'ai pas d'autres pistes vraiment concrètes, je me pose plein de questions et du coup, je sais pas trop quoi. Vous travaillez dans quoi? Quel domaine? Là, actuellement, enfin, actuellement, parce que je suis en arrêt avec des enfants. Ça vous plaît? Travailler avec les enfants, c'est plutôt chouette, mais tout le contexte autour, je commence à avoir vraiment du mal. Parce qu'avec Capricorne Jupiter, les enfants, c'est pas. On est bien plus à l'aise en fait avec des adultes qu'avec des enfants. Alors, longtemps, j'ai refusé de travailler en fait avec les enfants parce que c'était pas un public avec lequel j'étais de prime abord à l'aise.
Ouais. Et puis cette expérience est venue sur mon chemin et je me suis dit, bon, c'est l'occasion de la saisir et de peut-être dépasser aussi des peurs vis-à-vis des enfants et tout ça, ce que j'ai fait. Et effectivement, j'ai eu plutôt enfin, ça se passe plutôt bien avec les enfants. C'est plutôt une expérience enrichissante qui m'a apporté beaucoup. Maintenant, le contexte de travail dans l'association dans laquelle je suis, les relations, en fait, de voir les parents, comment ils se comportent avec leurs enfants et tout ça, c'est quelque chose qui est compliqué pour moi. J'ai envie, en fait, des fois de taper du poing sur la table. Je ne peux pas parce que je n'ai pas les responsabilités. Ce n'est pas mon rôle. Et ça m'agace, ça m'agace, ça m'agace, ça m'agace. J'ai du mal à le digérer. Du coup, j'ai des gros problèmes. Comment dire? Moi, je bon, les maisons 9 et 10 sont très valorisées hein, chez vous, donc c'est les maisons du Zénith. Donc vraiment de la responsabilité, de la place sociale. C'est vrai que vous avez un Uranus, Mercure, ça veut dire que votre mental, votre façon d'aborder les choses, forcément, il sort des cadres. Ah oui, tout le temps. Ouais. C'est ce qui me pose problème d'ailleurs. C'est que je vais aborder le problème d'une façon que personne n'avait anticipé que j'allais aborder. Et du coup, ça dérange tout le monde en fait. Voilà. Moi, j'ai envie de dire hein, spontanément, en voyant ces caractéristiques-là, je dirais, mais vous êtes faite pour être à votre compte, travailler en indépendant. Ouais. Parce que J'ai une dans un auto-entreprise à côté, contexte, ouais. Dans un j'ai une contexte où vous auto-entreprise à côté, mais elle a du mal à démarrer. comment? J'ai une auto-entreprise à côté, en fait, Oui. mais elle a un peu de mal à démarrer quand même. Ouais. Mais vous ne pouvez pas évoluer dans un contexte où il y a une hiérarchie. Ou alors il faut que vous soyez en haut de la hiérarchie. Ouais. Et encore, ça risque de poser des problèmes parce que les gens ne suivront pas. C'est-à-dire que votre autorité risquerait d'être remise en question parce que les gens ne comprendraient pas votre façon de fonctionner. D'accord. La meilleure, parce que avec cette configuration Uranus et Neptune, vous avez une grande intuition de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. Mais vous le voyez bien avant les autres. Donc Et effectivement, puis c'est ça des qui fois, dérange. je ne sais pas l'expliquer en Ouais. termes concrets, rationnels. C'est-à-dire Oui. que je vais dire, il faut plutôt faire ça, ou il faut plutôt prendre par là, ou voilà. Mais je ne vais pas être en capacité de mettre des mots dessus et de le verbaliser de C'est très façon intuitif. cohérente pour faire passer l'info Ouais. de façon à ce que les autres l'entendent, quoi, en fait. C'est quand même Donc, compliqué dans une effectivement, entreprise de dire, il faut faire ça parce que j'ai senti, quoi. il faut être dans des professions où on est son propre chef, son propre patron. Moins on est dans un cadre traditionnel, hiérarchique, et mieux c'est. Après, là où ça peut bloquer, c'est le fameux Saturne sur votre nœud sud. Donc, avec Saturne au nœud sud, ce nœud sud, c'est les aspects karmiques. Hein. C'est toujours plus difficile. Je sais ce que c'est parce que moi, j'ai cette configuration-là et je me souviens d'une astrologue qui m'avait dit. Saturne au sud, quand les autres travaillent 10 pour récupérer 100, vous travaillez 100 pour récupérer 10. Oui. Voilà, donc il ne faut pas lâcher, faut pas lâcher, mais ça demande toujours beaucoup, pour avoir les mêmes résultats,
Ça demande toujours beaucoup plus d'investissement, d'énergie que pour quelqu'un D'effort, d'autre. Ouais. de temps aussi. Ouais. Ça, c'est karmique alors. Ouais. On vient avec le besoin de faire l'apprentissage de la discipline, Ah, ça, j'ai beaucoup de mal, moi, avec la discipline. Ouais. Hein. Bah oui, parce qu'avec la configuration que vous avez, mais en général, on a justement, quand c'est karmique, on vient avec une problématique à résoudre, mais avec des outils qui ne sont pas en lien avec la problématique. C'est-à-dire que c'est d'autant plus difficile, parce que si on venait avec les bons outils, ça serait, Ça on serait n'aurait plus pas facile besoin de quand le même. dépasser, ça se ferait naturellement. Donc en général, on vient avec une problématique karmique et des outils, des dons, des talents, des traits de caractère Oui. qui vont Oui. en fait faire ressurgir cette problématique, parce que si elle existe, si on ne la voit pas, si elle ne se manifeste pas, ben on ne peut pas la Ah non, dépasser. mais moi je l'ai vu tôt, hein, cette problématique, elle existe depuis longtemps, hein. Donc effectivement, être dans accepter de travailler plus longtemps, plus dur que les autres pour le même résultat, tout en ayant en soi la conscience que on fait les choses différemment et qu'on a des intuitions et que par moments, effectivement, on sait mieux que les autres. C'est pas qu'on est au-dessus des autres, mais on a le Alors. feeling qui fait que on sait au-dessus, avant les autres, ce qu'il faut faire. Donc Parce que du coup, ça nous ferme, mais ça nous ferme, mais quand même, on passe quand même, on galère quand même plus que les autres pour y arriver, quoi. oui. C'est pas Ça. très, c'est pas facile, quoi. Non, non, c'est pas facile, je sais ce que c'est. Mais bon, voilà, c'est comme ça, mais il y a une part de chance aussi. Est-ce que du coup il y a des nettoyages ou quelque chose à faire en lien avec ça ou je sais pas. Souvent avec les. Moi, ça va mieux hein, depuis que j'ai commencé à nettoyer du point. Bon, déjà, j'ai fait nettoyage transgénérationnel. Mais j'ai fait aussi nettoyage, je commençais à faire un nettoyage karmique parce que tout ça, c'est des mémoires de vœux de pauvreté, par exemple. D'accord. Donc, du coup, quand on a fait vœux de pauvreté, puis les vœux, parce que quand on fait des vœux de pauvreté, de vœux de chasteté, c'est pas. Je veux dire, c'est dans un contexte très particulier qu'on a fait ça parce qu'on s'est engagé de manière spirituelle dans une vie précédente. Donc, on ne lève pas des vœux à ce niveau-là parce que c'est pas simplement je vais vivre, je vais faire, je sais pas, c'est pas comme par exemple je décide de plus manger de viande et je vais être végétarien pour préserver la vie des animaux ou. Je vais faire attention à la planète. C'est un vœu pieux, mais ça ne nous engage pas spirituellement vis-à-vis de. Tandis que Oui. avec un Saturne au nœud sud, probablement dans des vies précédentes et probablement plusieurs fois, on a fait un vœu sacré d'engagement spirituel à la pauvreté. Donc forcément, il est valable pour toutes les vies qui suivent. Ok. Super. Ok. Donc du coup, On peut les c'est défaire du coup quand même. oui, après, effectivement, quand on le sait, on peut le défaire. Hein. Ok. Voilà, et du coup, c'est ce qui entraîne le fait de devoir Galérer. travailler plus dur pour avoir le même résultat que les autres. Parce que on s'est engagé à pas. À travailler dur, mais à ne rien posséder par soi-même. Donc, D'accord. voilà, donc faut en fait nettoyer ça. Et Ouais. puis, donc on voulait regarder aussi s'il y avait cette année des choses qui pouvaient se manifester.
Alors, comme je n'ai pas les éphémérides sous les yeux, je vais essayer de voir. En Sagittaire, on a Saturne qui passe sur Uranus. Donc, c'est une période pour effectivement travailler sur ses projets. Ah ben, je peux te faire. Ouais. C'est vraiment le moment pour se poser la question. Uranus, c'est qu'est-ce que je veux vraiment faire? Qu'est-ce qui me correspond? Là où je vais vraiment manifester qui je suis? Et Saturne, c'est comment je structure ça pour y arriver? Ah, ça, c'est mon problème du moment. Ça, c'est mon gros problème du moment. Comment je structure ça pour y arriver? C'est mon point d'interrogation du moment. Donc après, qu'est-ce qu'on a? Pluton sur Jupiter. Comment on pourrait voir ça? Neptune, il n'est pas encore là. Uranus, il est à 20 degrés, donc c'est trop tard, c'est passé. Non, c'est surtout ce Saturne sur Uranus, effectivement. Et avec Pluton sur Jupiter, je dirais qu'il faut vraiment construire sur du solide, mais avec Jupiter, si on prend sa place socialement. Hein. Eh bien, en ce moment, du Si. coup, je suis en train de. Enfin, il faut que je parte de Saint-Cyr. Physiquement, je ne peux plus continuer mon boulot. Oui. On m'a mis un gros stop. Et du coup, je suis en arrêt physique, hein, parce que Oui. j'ai des problèmes de tension et tout ça, quoi. Physiquement, c'est compliqué. Et je suis vraiment dans la question, ok, d'accord, j'ai bien compris qu'il fallait que j'arrête, mais je fais quoi? Enfin, comment il y a une étape intermédiaire, quoi, et l'étape intermédiaire, j'arrive pas à la structurer, et donc c'est un énorme point d'interrogation. Ouais, mais c'est là vraiment la question du moment parce qu'il faut dépasser effectivement, c'est le moment de dépasser tout ce qui. Voilà, parce que de vraiment prendre la place et assumer responsabilité dans un poste ou un métier où c'est vraiment ces aspects Capricorne, Sagittaire qui se manifestent, c'est-à-dire. Je suis un leader, quoi. Ça. Je peux Et pas, là, je suis jusqu'à en haut de présent, la j'ai trouvé que. hiérarchie, soit je suis en haut de la hiérarchie, soit je suis indépendante. Et c'est ça, mais moi, là, j'avais trouvé un boulot, je me disais que ça allait peut-être le faire, parce que j'avais jamais ma hiérarchie au téléphone. Je l'appelais quand j'avais besoin, quoi. En fait, je travaillais seule à domicile, mais seule. Donc, je m'étais dit que, bon, potentiellement, il n'y avait pas de cadre trop rigide avec lequel j'allais pouvoir me heurter fréquemment et que j'allais potentiellement pouvoir passer. Mais non. Mais non. Parce qu'il y a le cadre des possibles qui est quand même trop enfermant, en fait, du fait de ma place dans la société dans laquelle je suis. Il y a des choses que j'ai le droit de faire, que j'ai pas le droit de faire, et du coup, c'est trop enfermant. Et du coup, ça va pas quand même, quoi. Vous faites quoi? Vous gardez des enfants à domicile? Non, j'interviens chez les familles en difficulté, soit pour prévenir des placements, soit pour permettre aux enfants qui sont placés de rencontrer leurs parents dans le cadre des visites médiatisées. Oui, effectivement, c'est très contraignant dans la mesure où il y a, déjà, c'est comme ces déplacements, il y a ces cadres juridiques et puis effectivement, c'est on n'a pas le droit de faire ci, on n'a pas le droit de faire ça et puis il faut. C'est ça. Il faut se minuter, on est entre le tampon entre les assistants familiaux, entre les assistants sociaux, entre les parents, entre les enfants, enfin. Et voilà quoi. Non, C'est très ça c'est réglementaire. des métiers pour les gens qui ont du signe de la balance, des choses comme ça qui sont très. Non, c'est pas possible avec des aspects Capricorne, Sagittaire, on peut pas entrer là-dedans, quoi. Ah On peut si, pas je suis entrer rentrée, mais là-dedans. là, je suis là, je peux plus physiquement. Oui, non, mais je veux dire entrer, oui, mais on peut.
On peut entrer dans le ce système, mais on ne peut pas entrer dans un cadre pareil. C'est Non, insupportable. tout à fait. Donc là, j'ai passé un concours administratif, mais bon, je me connais, je sais que les bureaux, ça va être compliqué rapidement. Oui. Mais bon, il faut quand même une porte de sortie, là, donc rapidement. Donc, je cherche, quoi, ma porte de sortie. C'est compliqué. Je suis dans la semoule, je sais pas, je rame. Et la société, l'auto-entreprise, c'est sur quel sujet, c'est dans quel domaine? Soins énergétiques. Soins énergétiques parce que je suis en formation naturopathie à côté, donc voilà. Oui, je me souviens ça. Mais ça c'est bien, hein, je m'amuse beaucoup. Enfin, c'est très, très, très chouette pour moi, mais j'en fais pas du tout assez pour vivre, quoi. Oui. Donc du coup, il me faut quand même une solution intermédiaire, quoi. Mais il faut aussi mettre toute l'énergie là-dessus, quoi. Ah mais je la nourris, hein. Je fais des choses pour qu'elle, pour l'alimenter énergétiquement, dans l'aspect concret aussi. Je la laisse pas de côté non plus, hein. C'est pas du tout le truc. Mais bon, en attendant, il y a une réalité matérielle à prendre en compte aussi. Ben ça, oui, ça, malheureusement. Donc voilà. Et donc du coup, ça me pose question, voilà, parce que je sais que là, voilà, enfin, je pense que à 2 ans d'intervalle, avoir un mois de gastro avec descendre à 8 de tension et puis être capable physiquement de sortir de son lit, c'est bien le signe qu'à un moment donné, enfin, je pense que c'est quelque chose, c'est un travail qui ne me correspond plus et on me met un stop physique pour me dire c'est plus possible. Et sauf que, donc c'est bien, j'ai bien reçu l'info comme quoi c'était un stop, mais j'ai pas de plan B, quoi. Parce que en fait, c'est un peu en contradiction ce que vous dites. C'est que à la fois vous dites je développe mon activité d'auto-entrepreneur, mais en même temps, quand vous parlez des activités à côté, on dirait que c'est votre activité principale. Et que vous l'envisagez non pas comme un soutien au développement de votre activité de naturopathe, mais comme quelque chose dans lequel vous investissez. Bah, c'est oui, parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui me nourrit aussi, quoi, je veux dire, à un moment donné. Et la naturopathie, les soins énergétiques, j'ai presque envie de dire que c'est du loisir pour moi. C'est quelque chose dans lequel je prends beaucoup de plaisir, avec lequel j'ai beaucoup d'intérêt et tout ça. Donc effectivement, c'est une activité que je nourris parce que ça me fait plaisir, ça me fait du bien, c'est voilà. Mais à côté de ça, voilà, il y a le matériel, il y a ce qui me nourrit, ce qui me permet aussi de continuer ma formation, etc. Et que je peux pas non plus laisser de côté, quoi. Oui, Comme non, je mais suis en ça, période de j'ai bien transition, je compris. suis obligée Mais de, c'est voilà. la, mais c'est le pro, pour moi, la clé, elle est dans la manière où vous abordez les choses. C'est-à-dire dans la D'accord. manière où vous dites la naturopathie, c'est un loisir, c'est un plaisir, et en même temps, vous voyez, vous trouvez un cherchez un boulot. Bon, dans l'administration, c'est un boulot c'est à vie, quoi. C'est la sécurité de l'emploi, Non, oui. c'est la vie. Dans le boulot que vous venez de quitter ou que vous êtes obligé de laisser parce que vous êtes malade, c'est visiblement, vous étiez engagé dedans en espérant que vous auriez une marge de manœuvre. Voyez comment. Non. C'est-à-dire Non? que non, c'est-à-dire que si vous voulez, d'un côté, quand je fais quelque chose, je le fais à fond parce que c'est mon tempérament. Mais pour autant, quand je suis rentrée dans ce boulot avec les enfants, je savais que c'était une expérience de vie et que ça s'arrêterait. Et là, je sais que si je rentre dans l'administration, ça va être le temps que l'auto-entreprise démarre pleinement et que je puisse en vivre. Donc ça va être quoi, 2, 3 ans et après ça va être ciao, quoi. Oui, mais en même J'ai temps, cette conscience-là en arrière-plan, quoi, en fait. oui, mais ça, c'est ce que vous me dites maintenant que je vous l'ai fait révéler et je vous ai montré
montrer ça. Mais le vocabulaire que vous utilisez, appris, enfin, spontanément, ça donne vraiment l'impression que Je c'est comprends. l'inverse. Je comprends ce que vous me dites. Voilà. Donc peut-être que c'est ça qu'il faut travailler. D'accord. D'accord. Parce que là, c'est pas clair. C'est pas si clair que vous le pensez. D'accord. Ah ouais, pourtant, pour moi, ça me semble clair, mais bon, Ben ok. oui, mais pourtant, c'est bien le terme que vous avez utilisé. La naturopathie, c'est un loisir. Ben, pour l'instant, oui, parce que je suis en formation, donc pour l'instant, c'est qu'un loisir. Ça, Ben oui, et c'est un justement, bonus, changer c'est ça. voilà, mais. D'accord. C'est pas D'accord. un loisir, c'est une activité professionnelle. Il y a une différence en dire c'est un loisir, parce qu'un loisir, ça n'est pas une activité professionnelle. Ben aujourd'hui, ça n'en est pas une, mais Oui. Si, il faut que vous vous disiez que c'est une activité, c'est votre activité professionnelle. C'est celle-là que vous voulez développer, c'est là-dessus que vous mettez votre priorité et que D'accord. à côté, vous avez une activité secondaire qui est le moyen de financer la première. Mais tant que vous verrez la naturopathie comme un loisir, forcément, ce que vous allez attirer, c'est ce qui va c'est ce que là où vous mettez votre activité professionnelle. Vous D'accord, je comprends. voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait, pleinement. Donc, mon avis, c'est ça qui vous rend malade. C'est Ah que ouais, la peut-être. priorité, elle n'est pas mise au bon endroit. Ben ouais, mais pourtant, ouais, mais il faut que je travaille ça alors, hein, parce que dans ma tête, pourtant, c'est plus simple. Je l'exprime peut-être pas correctement, mais dans ma tête, ça fait déjà Mais 3 ans pourtant, que c'est comme ça, hein. spontanément, c'est bien ce que vous dites, la naturopathie, c'est un loisir. Ouais, je suis d'accord avec vous. Ok. Ok. Parce que sinon, vous risquez de passer de boulot en boulot, puisque effectivement, vous entrez dans le boulot en disant, de toute façon, c'est provisoire. Donc, vous allez cumuler les boulots comme ça, les uns après les autres, mais vous aurez toujours un loisir à côté de tous les boulots que vous allez avoir. D'accord. D'accord. OK? Ok, super. Allez, Laure, je vous souhaite de pleine réussite et surtout prenez soin de vous. Ça marche, merci beaucoup, bonne soirée. Allez, Super. bonne soirée, Laure. Au Elle est revoir. pas belle, la Au vie? Hein, revoir. c'était génial. Mais oui, très, très intéressant, ouais. Bah oui, elle est douée. Hein. Alors, Ouais. on va demander aux gens s'ils veulent s'inscrire. Hein, il n'y a pas de souci. C'est ltu-radio.fr et rubrique inscription. Et de là, vous allez directement sur transgénérationnel, sur l'arbre aux étoiles. Voilà. Et vous remplissez le formulaire, tout simplement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va retrouver Nathalie, notre Québécoise. Oui, on va traverser l'Atlantique. On va traverser la flaque, comme ils disent. La flaque. Et puis, en attendant, on va faire un petit tour en Corse. Voilà. Avec nos amis D'accord. Patrick Fiori et Patrick Bruel, Corsica. Voilà. Et donc, après la chanson, ce sera directement Nathalie. Voilà. À tout de suite. À tout de suite. Bienvenue sur ltu-radio.fr dans votre émission Au cœur du temps, l'émission de voyance et de médiumnité qui a lieu tous les mardis à partir de 19h30. Pour participer, rien de plus simple, vous vous rendez sur le site ltu-radio.fr, vous cliquez simplement sur l'onglet inscription, de là vous vous rendez sur la page Au cœur du temps et vous vous inscrivez. Nous nous occupons du reste.
À bientôt, salut. Voilà, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi prochain, plus exactement à partir de 19h30 pour votre voyance et votre médiumnité. Donc voilà, je vous demande simplement de vous inscrire via le site ltu-radio.fr. Voilà, voilà, on retrouve Kate avec notre ami qui habite de l'autre côté de la flaque. N'est-ce pas, Nathalie? Allez, oh, je te le connais, je suis avec deux personnes que j'aime beaucoup. On est content de t'accueillir aussi ce soir. De l'autre côté de la flaque. De l'autre côté de la flaque. Smith, Jeffy? Oui, en plus tu chantes bien, toi tu chantes bien le blues. Un petit duo? allez, vas-y, chante. What now, my love? And now it's over. C'est vrai qu'elle a une très belle voix. Hein. Elle chante vachement bien. Si. Oui, oui. Merci. Voilà, voilà. Bon, bah, je vous laisse quand même toutes les deux parce que on va pas, c'est pas l'émission pour chanter. Hein. Merci, Josh. Allez, c'est l'émission pour le chantier. Surtout parce si qu'il va falloir se mettre sur au travail. Moi, demain, il y a un tsunami qui se déclenche. Allez, à tout à l'heure. Ça, je sais pas, je t'ai jamais entendu chanter. Comment ça, on a fait des duos et tout, arrête. Bon, bah, je préfère te voir rire que pleurer, hein. C'est plus sympa. Hein. La séance hier avec Dominique, ça m'a fait tellement du bien, là. Oui, oui, oui. Ah, bah, je te dis que sur LTU, on a que des bons. Ah oui, ah oui, ah oui, ça voilà. M'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Puis je vais te laisser avec une bonne, là. Je vais te laisser avec une bonne. Elle s'appelle Kate. Ah oui, je sais qu'elle est bonne. Elle va me faire du bien, elle aussi. Allez, à tout à l'heure. Merci, à tantôt. Oui, alors Nathalie, écoute, je suis contente de t'avoir parce que en fait, tu m'avais laissé un petit message sur Skype et puis je l'ai trouvé que la semaine dernière. Ah, oui, j'étais occupée, j'ai pas eu le temps de te répondre, mais bon, ça m'a beaucoup touchée, voilà. C'est pas grave. Alors, qu'est-ce que tu veux entendre, ma puce? Bien, hier, avec Dominique, on a parlé des... Bon, je vais me mettre à pleurer encore, mon Dieu que je suis sensible. Des schémas répétitifs, parce que... Oui. Excusez. Je viens de rompre avec un pervers narcissique. Oui. Encore un pervers narcissique. Si après, je t'avais raconté, après 16 ans de célibat, au tout début, j'avais eu des ressentis très forts qui avaient un potentiel de pervers narcissique. Puis, j'ai pas. Je pense que mon ego a voulu donner toutes sortes d'excuses pour pas écouter ma voix intérieure. Et puis, tu sais, après 16 ans de célibat, ben, tu veux avoir un peu de bonheur ou. Puis, ben c'est ça, je répète exactement le même schéma que mon père et ma mère. Mon père, qui est un pervers narcissique brut à 100% pur. Et puis, ma mère, qui était sa victime. Donc, c'est de briser ce schéma-là, arrêter d'attirer des pervers narcissiques, parce qu'après 16 ans de célibat, je pensais que le travail que j'avais fait sur moi, c'était suffisant, mais ça a l'air que non. Fait que là, je me suis lancée dans plein de thérapies pour être certaine que l'univers m'envoie pas d'autres épreuves. D'autres épreuves, parce que j'ai compris avec cette rencontre-là que le positif dans tout ça, c'est que j'ai réalisé que j'ai énormément de travail à faire sur mon estime de moi,
puis d'arrêter de vouloir aider tout le monde et m'aider moi. Ben oui. Et, fait que c'est ça le positif dans tout ça. Puis je veux réussir, j'espère que je vais réussir, mais c'est ça, c'est que j'espère que ça va pas prendre trop longtemps. Écoute, dans ce que tu dis, il y a déjà quelque chose de très positif. Je sais pas, j'ai pas écouté l'émission de Dominique hier, mais donc je sais pas ce qu'il t'a dit. Mais déjà, tu parles de ta petite voix intérieure. Donc tu vois, t'es plus, c'est conscient quand même. Il y a une part de toi qui sait repérer ces personnes-là. Voilà, c'est juste parce que tu l'exprimes bien, hein, après des années de solitude, bah, tu as espéré effectivement que tu verrais, ça serait possible, mais il y a une part de toi qui, tu vois, tu as bien exprimé, ta mère c'était une victime, elle était prise dans ce schéma, etc. Toi, y avait un travail qui était fait, puisque quand tu l'as rencontré, il y a une part de toi qui a dit, attention, il est dangereux celui-là. Oui, le Voilà. serpent, là, Hein? le serpent là, dans les cartes là, que je voyais là, Voilà. Donc, c'était du lui. coup, est-ce que tu ne l'as pas attiré? Parce que tu sais, quelquefois, la vie, elle nous envoie une chose, deux choses, trois fois, rien que pour qu'on puisse dire non. C'est plus ça que je veux. Ben, juste avant lui, j'avais rencontré quelqu'un et puis j'ai remarqué que c'était un pervers narcissique et j'ai pas été plus loin. Oui. Mais il y avait d'autres raisons aussi, là, la grande différence d'âge, etc., etc. Mais j'ai ressenti que c'était un pervers narcissique et j'ai dit non et j'ai stoppé. Cette personne, par la force des choses, s'est éloignée. Ça s'est fait tout seul. De temps en temps, on a des contacts, mais c'est des contacts respectueux, rapides et, t'sais. Oui, mais tu vois, tu dis bien. En fait, c'est pas vraiment parce que c'était un pervers narcissique que tu l'as pas choisi. C'est parce qu'il y avait d'autres éléments qui faisaient que finalement, tu n'étais pas si tentée que ça. Il t'attirait pas tant que ça. Non, Donc, pas du du tout. coup, la vie t'en a remis un autre qui correspondait mieux à tes critères pour voir si tu étais capable de dire non, je ne veux plus de ça. Exactement. Hein? Exactement. Donc, déjà, le schéma répétitif, il est en train de se casser là. La petite voix intérieure. Oui, parce que la petite voix intérieure, là, est-ce que tu me crois que la prochaine fois, je vais l'écouter? J'ai tellement mal de cette rupture-là que la voix intérieure, la prochaine fois, là, j'espère que je vais l'écouter. Mais tu n'as pas mal de cette rupture-là, parce que c'est pas de quitter cet homme-là qui te fait mal, c'est de te retrouver seule et de te retrouver dans ta solitude. Mais c'est pas cette relation-là que tu pleures, c'est le Ben, retour à la solitude. non, ben c'est parce qu'il y avait. Il y avait quand même des belles qualités parce que les pervers narcissiques ont aussi leurs Bah, qualités. c'est pas que des monstres à 100%, on n'est jamais ou tout noir ou tout C'est blanc, ça, c'est hein. ça. Puis aussi, on a eu des bons moments, fait que Ben c'est oui. difficile. Oui. Alors, il faut que tu te serves de ces bons moments pour te nourrir de l'estime de toi en disant que tu es capable de vivre des bons moments comme ça et que tu es capable aussi de donner du bonheur à un homme. Oui. Hein? Ah oh oui, puis beaucoup d'amour. J'en ai beaucoup à Voilà. donner. Ah oh oui. Hein? Donc, sers-toi de cette expérience pour voir ce que toi, tu as été capable de donner. Non, ne Oui. regarde pas simplement ce qu'on t'a pris, mais regarde ce que toi, tu as été capable de donner. Oui. Mais je me suis, puis c'est pas monsieur qui a demandé là, mais je me suis oubliée, puis j'ai encore le syndrome de la sauveuse. Puis là, je me suis rendu compte de ça. Puis là, maintenant, c'est moi que je sauve. Parce que pendant longtemps, j'essayais de sauver tout le monde, mais en quelque sorte, j'étais comme dans une fuite, hein. Je fuyais en aidant les autres, mais je m'aidais pas moi. Ben oui. Là, maintenant, j'ai décidé de m'aider moi. Et c'est ce que
À travers les années, dans les messages de médium que j'avais, c'était de m'occuper de moi, de m'aider moi. Et c'est ce que je fais là, présentement. Là. J'espère que ça va porter fruit parce que ouais, c'est ça. Oui, il faut que tu penses à toi d'abord. Tu sais, c'est aussi une croyance qu'on a, qu'on nous met, surtout les femmes, hein, qu'on nous met dans la tête, que, on a le droit d'exister que si on aide les autres. Voilà. Et donc, on se construit avec l'idée que si on ne se donne pas complètement, ben, les autres, ils vont nous fuir. Et c'est exactement l'inverse. À se donner complètement, on n'attire que des gens qui profitent. Ouais. Hein? Ouais. Parce que les gens qui sont bien dans leur peau, ils n'ont pas besoin d'être sauvés. Donc quand ils voient arriver un sauveur, ils se sauvent. Ah oui. C'est très logique, hein? Il y a que les posters qui disent, tiens, voilà un sauveur, tant mieux pour moi. Mais les gens qui sont bien dans leur tête, ils n'ont pas besoin d'être sauvés, donc. Ouais, c'est très logique. Ah, ça me fait du bien de rire avec toi. C'est donc d'arrêter ces schémas-là, puis ouais. Mais c'est pas facile, hein. Bon, déjà quand on a pris conscience, parce qu'on ne peut pas changer les choses qu'on voit pas. Mais c'est vrai que c'est un chemin compliqué. Et puis c'est vrai que l'ego, il a envie que les choses se passent simplement et Ah voilà. oui, mon ego, au début, je pense qu'il donnait toutes sortes d'excuses pour pas que j'écoute ma petite voix intérieure. Puis, ben, c'est ça, je l'ai pas écouté. Puis là, ben, c'était une relation toxique aussi parce qu'un pervers narcissique, c'est pas facile, là. Donc. T'as réussi à le mettre dehors de chez toi ou c'est lui qui est parti? Ah ben moi j'ai dit écoute je pense que c'est mieux qu'on mette un terme à la relation puis j'ai ouvert la porte et puis lui il est rentré dedans à pieds joints et il est parti rapidement. Il était supposé de rester 2 semaines chez moi en attendant d'aller dans son appartement, mais j'ai demandé si c'était possible pour lui d'aller dormir ailleurs chez son père en attendant d'aller dans son appartement parce que c'était trop difficile pour moi. Je pleurais tout le temps, puis son rejet aussi qui me faisait mal, là. Fait que, il l'a fait. Puis, c'est ça, il est parti. Ça s'est fait rapidement. Ça s'est fait, ouais. Il n'a pas essayé de revenir. Non, pas du tout. Non, bah Non, c'est bien. puis, il y a des gens autour de moi qui ressentent que de sa part, c'est vraiment, il a déjà pensé à autre chose. Puis, il n'y aura pas de retour jamais, là. Puis, Ben, c'est moi, bien parce que je. je pense qu'il a compris il aurait plus d'emprise sur toi. Parce que tant que les pervers narcissiques sentent qu'ils ont une emprise, ils reviennent à la charge. Donc ça aussi, c'est un bon signe. Ça veut dire qu'il a compris que il pourrait plus faire son cinéma, quoi. Ben, tant Il mieux. ne laisserait pas faire. Mais j'ai quand même espéré qu'il change, puis parce que j'avais demandé d'aller en thérapie, parce que en plus d'être un PN, il y avait des problèmes de santé mentale, fait qu'au début, il voulait pas. Après ça, ben, il a commencé à aller à la thérapie, puis il a continué d'y aller, même si on n'est plus ensemble. Fait que j'espérais un changement chez eux avec la thérapie puis qu'ils reviennent, mais
Non, non, mais un pervers narcissique, ça se guérit pas. Ouais, c'est ça, je pense C'est que une structure psychologique, on peut rien y faire. c'est une pathologie, puis c'est des... Mon inconscient aussi, j'ai fait un rêve, mon inconscient m'a... Je l'ai fait analyser, mon rêve, puis mon inconscient disait que je me fais des illusions, puis... Ben oui. Ouais. C'est de me retrouver, il y a plusieurs deuils à faire aussi, parce que... T'sais, il y avait une voiture, on sortait, on allait faire des balades. Financièrement, ça allait mieux aussi à deux. Et puis là, je retombe sans transport. L'argent, tu sais que c'est comme toujours un blocage chez moi. Et puis, c'est plusieurs deuils à faire, là. Le deuil des bons moments, le deuil de ses qualités, le deuil. Ouais. Et oui. Mais bon, ça demande déjà beaucoup de courage de reconnaître tout ça, hein? Ah oui, il faut marcher sur notre ego, hein. Faut piler dessus, puis ouais, le mettre de côté, puis aller aux thérapies. Faire du travail, mais c'est ça, je me disais, mais pourquoi là, moi, là, faut que je fasse du travail sur moi pour arrêter d'attirer ce genre d'homme-là, alors qu'il y a plein de gens qui sont en couple depuis longtemps, puis ils n'ont pas besoin de faire des thérapies ou de travailler même, ou, tu sais, puis là, moi, faut que, là, je retombe à zéro, puis... Je suis obligée de faire des thérapies. Si j'en fais pas, je vais continuer d'attirer cette... Ben oui, c'est moi, c'est ce que j'appelle la double peine, quoi. C'est quand tu as eu ton enfance et ton adolescence bousillée, et puis que du coup, ça t'empêche d'avoir une vie d'adulte épanouie. Ça met plein de blocages. Donc, tu t'en es déjà pris plein la figure quand tu étais enfant et adolescent, et effectivement, quand tu es adulte, ça recommence, quoi. Donc, alors que tu te dis, ben, j'en ai déjà bavé, je mériterais peut-être plus que les autres d'être heureux ou heureuse, mais effectivement, c'est le plus difficile à accepter. Mais en même temps, c'est probablement le chemin qu'on a choisi avant de venir. Donc, Mais après 16 ans de célibat, comprendre qu'à soi-même. après 16 ans de célibat, je me disais, bon, enfin, peut-être que, tu sais, j'ai droit à un peu de bonheur, enfin, je vais avoir, tu sais, une vie de couple, et puis tout ça, puis, et non, surprise, non, non, on est venu comme me titiller un peu, hein, me donner un petit peu on est venu me titiller, là, puis, mais... C'est vrai qu'il y a du positif là-dedans, c'est le travail que j'ai à faire sur moi, là. On est venu te titiller dans le sens où effectivement, tu as parfaitement de raison de dire que et de croire que tu as le droit au bonheur, mais sauf qu'on est venu te dire si tu vas pas le trouver là. Non, non, puis on est venu me dire... T'as encore des choses à travailler si tu veux avoir des relations saines. T'as encore des choses à travailler sur toi. Fait que là, ouais. Mais là, je me suis dit, bon, c'est quoi un autre 16 ans de célibat là qu'il faut que je travaille 16 ans sur moi puis Ah non. tout. Non, mais il faut arriver effectivement, hein, on avait déjà vu dans les problématiques des ancêtres, déjà ces problématiques de territoire. Ça aussi, hein, le pervers narcissique, c'est quand on ne sait pas mettre ses limites. Il empiète sur ton territoire, un pervers narcissique, il empiète sur le territoire de sa victime, parce qu'elle ne sait pas mettre de limites, elle ne sait pas dire non. Donc on est toujours dans des problématiques de territoire. Ouais. De se faire envahir. Ben, c'était Des surtout personnes qui étaient propriétaires, ou les locataires à côté. mais lui, c'était surtout la fuite.
Il fuyait les responsabilités de couple. C'était beaucoup, 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 beaucoup la fuite, les mensonges par-dessus mensonges pour être dans la fuite. La fuite, la fuite, la fuite, toujours la fuite. Ouais. Donc, Bon, comment tu te sens là? là, ben, encore triste, là, mais ça va passer un jour. Mais là, j'ai le pervers narcissique de mon père parce qu'il paye mes thérapies un petit peu. Une de mes thérapies, puis ça fait qu'une emprise sur moi. Puis il en profite pour faire sa violence psychologique, là. Je me tiens loin. Je me tiens loin le plus possible, le moins de contact possible. Puis aussi, ben, je vais suivre les conseils de Dominique d'hier. Ces schémas-là, là. Bon, ben, il faudra qu'on retravaille sur ces. Faudra qu'on fasse une séance là, pour en psychogénéalogie, pour te dénouer ça. Oui. Hein? Oui, on l'avait fait pour l'argent, mais on ne l'avait pas fait pour le schéma répétitif du pervers narcissique, là. Mais toi, est-ce que tu fais les choses que tu as fait avec les autres, là, Saturne, puis tout ça, non? Bah, on l'avait déjà évoqué avec le, parce que je suis en train de regarder ton thème, hein, je l'ai sous les yeux, donc Ah c'est oui. vrai qu'on a cette problématique, enfin, on a le nœud nord avec, dans la maison 12, la maison des mémoires, on a le nœud nord avec Mars, donc il y a un vrai défi à. Parce que le pervers narcissique, c'est une vraie violence, hein. C'est pas une violence physique, mais c'est une vraie violence Ah oui, c'est très. d'envahissement du territoire, d'envahissement émotionnel, psychologique. Ah oui. Et du coup, là, on a Mars, hein, il y a un vrai défi, parce que le Nord, c'est le défi qu'on a à relever, c'est de sortir de cette forme de violence. Ah oui, ah oui, ah oui. Et après, dans la maison 8, la maison des crises et des tabous, on a la Lune, donc on a bien les mémoires. Et en plus, c'est lié à l'axe karmique. Et puis, il y a ce Jupiter-Neptune, c'est remettre la loi, quoi. Jupiter, c'est la loi du père, comment on fonctionne là où ce qui se fait, c'est ce qui se fait pas. Et avec Neptune, c'est pas clair. Et c'est ça aussi le jeu du pervers narcissique. C'est que il te fait croire que les règles normales de fonctionnement ne sont plus normales. C'est-à-dire que quand toi, tu as un fonctionnement. En fait, le pervers narcissique, il arrive à rendre flou la limite entre le bien et le mal. C'est-à-dire que là où toi, tu dis. Ça se fait, ça se fait pas. On a une éthique, il y a une morale, il y a des comportements qui sont admissibles, il y en a d'autres qui ne sont pas admissibles. Lui, il vient te troubler ça. Il vient te dire, mais non. C'est-à-dire que quand toi, tu crois faire des choses justes parce que c'est comme ça que tu as été éduqué, parce que ça te semble, il vient te dire, mais non, t'as rien compris, c'est pas là. Et lui, il s'autorise à faire des choses qui ne sont pas normales. Qui atteignent à ton intégrité et il te fait croire que c'est lui qui a un comportement normal. Donc, tu vois, dans la problématique ancestrale, il y a ça. C'est qu'il y a quelque part, les lois sont du bien et du mal
sont déplacées. On Aïe, rend les aïe, choses floues. On ne sait plus ce qui est bien, ce qui est mal. aïe. Mmh. Donc, du coup, effectivement, le pervers narcissique, là, il rentre tout seul, quoi. Parce que justement, ces frontières, elles ne sont pas assez. Même si elles semblent acquises, non, derrière, il y a quelque chose qui est malsain et qui fait que quelqu'un qui vient de l'extérieur peut déplacer les barrières comme il veut. Oh, c'est très souffrant, les pervers narcissiques, crois-moi. C'est très, très souffrant. Oui, mais c'est là qu'ils trouvent leur jouissance. Oui. Oui, puis c'est ça, je veux m'en sortir une fois pour toutes parce que là, ben, je suis tannée de souffrir, là. Ben Hein, je veux. Avoir une vie plus saine. Ça veut dire que mes ancêtres, il y avait des pervers narcissiques dans mes ancêtres, c'est pas ça? forcément des pervers narcissiques, mais des gens qui respectaient pas forcément la loi, hein. Tu te souviens ce qu'on a vu, ce qu'on avait remonté, cet ancêtre qui avait arnaqué tout un village? Oui. Ah oui. Ah oui, ah oui. 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 Ça, c'était très parlant, hein? Ouais. Très, très, très parlant. Donc, effectivement, il y a probablement dans tes ancêtres des gens qui n'étaient pas au clair avec la loi, mais qui faisaient croire que, tu vois, le type de l'escroc, c'est-à-dire qui fait croire que, il est parfaitement honnête, alors que derrière, c'est que de la malhonnêteté. Mais c'est tellement bien présenté qu'on ne sait plus, effectivement, si c'est le bien, si c'est le mal. Et Aïe, là, aïe, aïe. dans ce genre de contexte, effectivement, le pervers narcissique, il rentre tout seul, parce que c'est son jeu préféré. Oui. Oh, oui. Et retourner à la situation, non, non, c'est lui la victime, finalement. Oui, Quand il est oui, pris Ah, oui. en défaut, ben finalement, c'est lui la victime. Ah, oui, ça, il me l'a fait souvent, mon ex, là. Mais elle le fait souvent, ça. Revirer la situation de bord pour que Voilà. ce soit moi la pas correcte, puis. Voilà. Ben, c'est ça, Ouais. exactement. Jupiter, Neptune, la maison 8. C'est ça. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on aille retravailler. Donc, la semaine prochaine, moi, je suis débordée, mais la semaine d'après, j'ai des disponibilités. Donc, je me trouverai un créneau pour toi, ma chérie. Oh, merci. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de me faire sortir de ce schéma-là parce que c'est très souffrant. Ah Ouais. oui, c'est une torture. Et c'est très destructeur en plus, très destructeur. Oui, mais c'est ça. Des fois, je me dis, ben voyons, c'est pas normal de pleurer pour un homme qui t'a fait souffrir. C'est quoi de la dépendance affective Ah bah oui, il y a de ce genre-là derrière. Mais c'est aussi ça le pervers narcissique, c'est de te faire souffrir et c'est toi qui culpabilises. Ah oui, beaucoup, oui. Oui. Oh, oui, des regrets, de la culpabilité. Tu vois, et c'est exactement ça, c'est qu'on ne sait plus la frontière entre ce qui est bien et ce qui est mal. Il arrive, c'est lui qui transgresse et il arrive à nous faire croire que c'est nous qui sommes à côté de la plaque et c'est nous qui sommes les bourreaux. C'est nous qui sommes Ouais. amoureux, alors qu'en fait, c'est lui qui transgresse. Ouais. Donc, on finit par culpabiliser. Alors, je dis on parce que moi, j'ai traversé cette phase-là. Hein. J'en ai connu un de pervers narcissique. 5 ans, ça a duré. Donc, Oh bon, ben, là tu là. sais, c'est lui qui m'a donné la plus belle chose qui ait existé dans ma vie, puisque c'est le père de ma fille. Mais Ah, ça a aïe. été 5 ans, effectivement, où j'ai dû me confronter
Et c'était ça, c'est qu'effectivement, il me faisait croire que c'était moi qui dysfonctionnais complètement, alors que c'était lui qui transgressait les lois du respect de l'autre, il respectait pas de mon intégrité, il mentait, il me menait en bateau. Mais non, c'était moi qui était bonne pour l'hôpital psychiatrique. Mon ex. Fait que tu connais, tu sais de quoi je parle. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. C'est une vraie épidémie. Je pense que je connais pas une femme autour de moi qui en a jamais attiré des pervers narcissiques. C'est fou comment est-ce qu'il y en a. Mais j'ai dit deux choses. C'est vrai que on en trouve plus chez les hommes que chez les femmes, mais il y a aussi des femmes tordues, hein. Ah Et en oui. même temps, j'ai envie de dire, c'est les femmes qui élèvent les hommes, hein. Donc, Ouais. ce n'est pas pervers narcissique, on le devient. Et ce sont quand même essentiellement les femmes qui élèvent les enfants. Donc, ce sont les femmes qui élèvent les hommes. Donc, si les hommes sont des pervers narcissiques, ça vient bien de l'éducation que les femmes leur ont donnée. Ouais. Ah oui. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de pervers narcissiques, c'est quand que faut pas que j'entre dans la généralisation, là, parce que les parents, souvent, ils font leur possible, souvent, ils font qu'est-ce qu'ils pensent le mieux, mais c'est souvent des enfants qui ont été trop gâtés et on donnait tout, 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 et puis qu'on faisait tous les caprices de l'enfant et on faisait tout à sa place. Tout, tout, tout faire à la place de l'enfant. Puis il y a souvent des enfants uniques aussi qui sont devenus comme ça, des pervers narcissiques. Alors, Et. ça de deux choses, c'est qu'effectivement, soit on leur met pas de limites, ils connaissent pas la frustration, effectivement, ils sont plus sur le versant narcissique que sur Oui. le versant pervers, ils sont sur le versant narcissique, c'est-à-dire qu'ils n'existent, eux, l'autre n'est qu'un objet qui est là pour satisfaire leur plaisir, soit sont des enfants qui ont été eux-mêmes manipulés, qui ont eu des parents très manipulateurs. Donc, du coup, ils ont appris à se défendre en manipulant eux-mêmes. Ouais, ça, je savais pas. Ouais. Ah, ben, c'est très gentil de m'offrir, de me sortir de ce schéma-là parce que ça va me faire beaucoup de bien. Merci. Merci beaucoup. On va se donner des nouvelles, hein, quand tu vas être moins occupé, Oui, fais-moi de toute façon, un je te mettrai un message sur Skype, puis je te mettrai mes disponibilités. Hein? Oui, puis une photo de que ta fille donne en cadeau. Il va bientôt arriver, le petit père, là. C'est ça, une photo. Ah, bien, c'est Anne. Normalement, c'est pour le 20, donc voilà. C'est une question Ah. maintenant. Ah. Le Alors, 20. les auditeurs qui ne comprendraient pas notre conversation, c'est que je vais être grand-mère d'ici quelques jours, donc d'un petit Québécois. Le 20 Voilà. novembre, c'est ça? Comment? Le 20 novembre? Le 20 novembre, et un petit Arthur. Mais ça s'en vient! Oh mon Dieu, tu Ah me bah oui, tiendras voilà. au courant! Un gros, gros merci, merci Bah, je beaucoup! te fais plein de gros bisous. Oui, bisous, bisous. Jeff, merci beaucoup encore une fois. Oui, j'écoute là. Merci à vous deux. Oui, j'ai les coton-tiges dans les oreilles. Ah oui, je parle proche de mon micro, hein, un peu. Ok, là. Bon, Tu ça t'a fait un peu de bien quand même. Puis je parle fort en plus. Tu parles fort, t'as un accent. Allez, on va te faire des gros bisous. Allez. Merci, bonne soirée. Il va être l'heure pour Merci, se quitter là. merci, bonne soirée. Kate, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est le. Tu avais dit tout à l'heure, la lune noire. La lune Oui, il y a noire. quelqu'un qui demande ça dans le chat.
Alors en fait, la lune noire, c'est juste un calcul, ça n'existe pas physiquement, c'est pas, c'est en fait le point opposé de la lune par rapport à la Terre. Voilà, donc c'est un D'accord. point fictif, c'est comme un peu l'ombre de la lune. Et dans le thème natal, ça explique, c'est notre quête d'absolu. D'accord. C'est là où on sera jamais satisfait. OK. On aura toujours un besoin de combler quelque chose, de réparer quelque chose. D'accord. Bon, Et bah, c'est donc, bien. comment, en psychogénéalogie, ça indique une blessure profonde dans l'histoire de la famille, mais qui, comment, qu'on n'arrive pas à. Enfin, parce qu'il y a deux aspects dans la psychogénéalogie de blessure. Il y a la blessure de Chiron et la blessure de la lune noire. La blessure de Chiron, c'est à la fois la blessure et le guérisseur. Donc on peut utiliser Chiron pour trouver une solution à la blessure. Ça peut être une blessure affective, ça peut être une blessure sur l'estime de soi, des Oui. choses comme ça. Tandis D'accord. que la lune noire, c'est vraiment un truc c'est vraiment un point de souffrance totale où on va toujours essayer on sera toujours attiré à aller réparer ce truc et à trouver des solutions même tordues pour aller réparer ce truc. D'accord. C'est vraiment l'épine dans le pied, quoi. Ah, c'est complexe quand même. Ouais. Voilà, mais il y avait Josie qui demandait ça, alors voilà. Ah, et c'était pour Carole. Mais Carole a plus l'air d'être là. Donc elle réécoutera le podcast et puis voilà, elle aura la réponse. Voilà, Kate. On va se quitter pour ce Voilà, encore une soir. soirée de passé. Oui, ça passe vite, hein. Je te fais des gros bisous. Des gros bisous à tout le monde et à très Hein? Et puis je te bientôt. dis à très 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 bientôt. Bisous bisous. Bisous. Bonsoir. Bon, on va dire le 69, Fleur, 54, Nizou, 22, Lilou, Cathy, Kiki, 09, Josie, qui te remercie pour la lune noire. 89, Alain et 27. Voilà. Donc bonsoir à toutes et à tous. Et on se donne rendez-vous demain mercredi pour les contacts médiumniques. Et voilà. Et une super soirée en perspective encore. Voilà. Bisous, bisous. Bonne fin de soirée. Bisous.